Un peuple résiste et montre que la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme doivent être défendus au péril de sa propre liberté et de sa propre vie. Ce peuple, c'est le peuple hongkongais. Il nous montre que oui, les valeurs universelles et la démocratie sont un idéal qui doit être défendu partout dans le monde. Des citoyens sont traqués, enfermés, réprimés et aujourd'hui, c'est Jimmy Lee que nous mettons en lumière. Mais en février dernier, ils étaient 50 à être jugés. Et qui peut donner un chiffre exact de toutes ces condamnations et répressions Le Parlement européen a les devoirs de les soutenir. Car à travers eux, c'est aussi nous que les autorités chinoises attaquent. Ce que nous sommes, ce que nous portons. Il est temps de montrer à la Chine que l'Europe ne restera jamais silencieuse. Que l'Europe ne se laissera jamais intimider. Que l'Europe doit réellement créer les conditions de son autonomie par une unité renforcée pour ne pas être silencieuse, pour ne pas être intimidées. À l'heure où les autoritarismes s'affirment, montrons toujours au monde, et au Congolais spécifiquement, que l'Europe est avec eux et nous les abandonnerons jamais. Je vous remercie.